Hello, good morning. Good morning, everyone. Hello. Sorry, I'm really late this morning. Hello, good morning. Have you all gone? Is anybody there? I doubt. I'm sorry. Hello, good morning, good morning. Hello, are you there? No, you're not. Uh-oh. Everybody's left. Have you all left? Right, okay. So, well, it doesn't matter. Bien, alors, je vous explique quand même pourquoi je fais quand même cette petite vidéo et pourquoi, bah, du coup, vous la verrez en replay. Tout simplement, à moins qu'il y en ait qui arrivent. Bon, là, je suis en retard, donc je suis désolée. I've had a very, very bad headache. So I overslept. Voilà la raison de mon retard. C'est que du coup, quand on passe une très, très mauvaise nuit avec un très fort mal de tête, eh bien, ensuite, on n'est pas capable de se lever et on n'entend pas le réveil. Donc, bah, écoutez, c'est pas grave. Je vais corriger ben sans vous les exercices. Ah, si, il y en a un qui est là. Ah, le fidèle parmi les fidèles. Good morning, Matteo. How are you? Hello, hello. Sorry, I'm late. Ben écoute, s'il n'y a que toi, hein, ça va être un cours particulier à distance. C'est chouette. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Bon, si tu viens d'arriver, ça va. Donc, tu n'es pas. Je viens d'arriver aussi. Donc, comme ça, voilà. Donc, j'étais en train de dire, si tu viens de te connecter maintenant, Mathéo, que j'ai eu un petit souci de mal de tête, de migraine dans la nuit. Et donc, du coup. J'ai pas entendu le réveil et je me suis rendormie. Et je me suis rendormie. Voilà. Donc, d'où mon arrivée tardive. Bon, allez, eh ben, c'est pas. Ben, s'il n'y a que toi, c'est pas grave. Les autres sont peut-être partis. En général, il y en a certains qui sont vraiment là dès le début. Et ça fait rien. Ils regarderont en replay. Voilà. Allez, est-ce que tu as pris ta feuille avec toi? Est-ce que tu as fini les exercices d'hier? Mathéo. Il y avait deux exercices à faire. En fait, il fallait finir la fiche. Tu étais là hier, donc tu dois t'en rappeler. On avait fait la fiche sur Present Perfect. C'était la numéro 3. On avait fait la numéro 4 en entier. OK, eh bien, c'est pas grave. On va faire ensemble alors. Ça marche. Alors, est-ce que tu peux me rappeler, donc vu qu'on est là, voilà, qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, est-ce que tu peux me rappeler comment on forme le present perfect? Est-ce que tu peux me rappeler comment on fait pour former le present perfect? Bon, ça, de toute façon, que tu sois tout seul ou pas tout seul, je pose la question à chaque fois. Donc, voilà, il n'y a pas de. Est-ce que tu te rappelles comment on fait ce present perfect? Non, tu te rappelles plus? Alors, je t'aide. Alors, present perfect. Donc, il y a un. D'accord, ok. Alors, present perfect, dans ce mot, qui est le nom du temps, il y a deux mots, il y a present et perfect. Present, ça te montre qu'il va y avoir une conséquence dans le présent. Et perfect, ça te montre qu'il y a une action qui a commencé dans le passé. Perfect, c'est le parfait.
En français, tu as l'imparfait, le plus que parfait, ce sont des temps du passé, ces temps-là. Donc, du coup, c'est un mélange de présent et de passé. Alors, donc, tu as ce qui va être au présent, c'est l'auxiliaire que tu vas utiliser obligatoirement à chaque phrase. Pour chaque verbe, obligatoirement, tu vas utiliser cet auxiliaire-là, have ou has, selon la personne. Donc, je rappelle que. Oh, good morning, Inès. It's all right. I was late myself. I am very late. I have just started the lesson. So, no worry. Donc, je fais un petit rappel que avec have ou has, c'est he, she et it. Voilà. Et que le reste, eh bien, c'est have. Donc, on utilise ce connecteur, ce lien qui nous lie au présent. Je suis en train de faire un petit rappel. Je suis avec Mathéo. Et du coup, je suis en train de faire un petit rappel sur la formation du Present Perfect. Voilà. Et après, on corrigera la fiche qu'il y avait à finir de faire pour aujourd'hui. Donc, tu as have ou has au présent. Ça, c'est la marque qui est au présent, Present Perfect. Et ce qui va nous relier avec le passé, c'est le participe passé. Le participe passé. Alors, Mathéo, est-ce que tu te rappelles comment on fait le participe passé en anglais? Comment on fait le participe passé en anglais? Alors, je t'aide un peu. Il y a deux sortes de participe passé. Il y a le participe passé pour les verbes réguliers et donc le participe passé pour les verbes irréguliers. Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, si tu t'en rappelles pas, peut-être qu'Inès peut t'aider. Inès peut peut-être donner la réponse. Si pour toi, c'est pas, tu t'en rappelles plus, Mathéo. Inès, tu t'en rappelles peut-être. Alors, on met have devant. Ça, c'est clair et net. On met have ou has devant. Mais après have ou has, tu as un mot qui s'appelle le participe passé. Mais tu le trouves où? Le participe passé du verbe, comment tu fais pour le trouver? C'est ça que ma question. Comment on fait pour trouver ce participe passé? Et donc, pour t'aider un petit peu, je te disais qu'il y en avait deux sortes de participe passé. Et donc là, je demandais l'aide de ta camarade Inès, qui peut-être s'en rappelle. De la formation du participe passé, sachant qu'il y a deux sortes de participe passé, un pour les verbes réguliers et un pour les verbes irréguliers. Alors, est-ce que tu sais, Inès? Est-ce que tu te rappelles ou est-ce que tu te rappelles Mathéo? Tu réfléchis, ok. Bon, alors je vais t'aider. Voilà, Inès, elle t'aide un peu, très bien. Alors pour les verbes irréguliers, tu prends la troisième colonne. Rappelez-vous, à chaque fois, vous avez, peu importe le manuel que vous avez, ou même dans vos agendas, pour ceux qui ont des agendas un petit peu élaborés, c'est toujours la même chose. Il peut y avoir des verbes différents. Il peut y en avoir dans des agendas ou des manuels plus de verbes que dans d'autres. En revanche, la présentation sera toujours la même. Base verbale, donc infinitif. Prétérite. Donc là, c'est pas ce qu'on veut puisqu'on n'est pas au prétérite, on est au present perfect. Et enfin, on a notre perfect, le participe passé. Donc du coup, oui, donc c'est ça. Donc pour les verbes irréguliers, donc là, troisième colonne. Et pour les verbes réguliers, eh ben, c'est pas compliqué.
Ça va être comme la construction du prétérit, on met ED. Il va nous faire, par exemple, alors si on prend le verbe écrire, I have written, pourquoi written? Parce que c'est write, wrote, written, a letter. She has drunk a glass of water. Elle a bu un verre d'eau. Pourquoi drunk avec un U? Parce que c'est drink, drunk, drunk. She has drunk a glass of water. Et pour un verbe irrégulier, pour un verbe régulier, we have visited Paris. On met ED à visit, visited. She has played tennis. Voilà la formation. Encore un rappel de cette formation. Good morning, Magali. Hello, sorry. T'es pas très en retard, ne t'inquiète pas. Je viens juste de commencer il y a 5 minutes. J'étais très en retard. I'm sorry. Voilà, donc ça, c'est la formation. Alors, il faut vraiment l'apprendre par cœur. Il faut vraiment bien la retenir parce que l'année prochaine, alors évidemment, en troisième, on va vous en reparler de ce Present Perfect. Mais bon, on va quand même avoir, je pense, une petite réunion entre professeurs pour savoir qui a fait quoi. Voilà, pour pas non plus refaire 50 000 fois les mêmes choses. OK, donc, alors hier, ce que nous avons fait, c'est que nous avons corrigé donc la fiche 4 en entier. Et la fiche 3, on n'avait corrigé que 3 exercices. Pourquoi? Parce que je vous en avais donné juste 3 à faire. Et pour aujourd'hui, vous deviez donc terminer le reste des exercices de la fiche 3. Alors, et notamment, on va commencer par le 13.5, le dernier exercice. Alors, j'avais pas écrit la leçon dessus. Good morning Maxence, hello, désolé du retard. T'inquiète pas, je suis arrivée très en retard aussi, ça fait à peine 10 minutes. Donc voilà. Donc il n'y a pas de problème. J'ai fait un petit rappel de la formation du Present Perfect pour Mathéo qui était tout seul au début. Et puis, voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, on corrige les deux exercices de la fiche que je vous avais donnée pour aujourd'hui. Donc, je vous en avais parlé sur la différence entre been et gone. Je vous en avais parlé hier, puisqu'on a corrigé déjà des choses, hier en début de séance, de séance. Et la semaine d'avant, je vous en avais parlé aussi. Et donc, hier, en quittant, je vous ai dit, on va avoir ce compte de la mémoire pour le dernier exercice. Est-ce que vous allez réussir à faire cet exercice, la différence entre been et gone? Donc, on en est au 13.5. So, this time, you have to put in been or gone. Example, where's Anne? She's on holiday. She has gone to Italy. Donc, have you got a good memory? Number one, what have you put for number one? Alors, qu'est-ce que vous avez mis pour number one? Been ou gone? Alors, il ne faut pas juste mettre comme ça au hasard. Il faut aller jusqu'au bout de la phrase pour savoir si on met been ou gone. Ça nous fait, hello, I've just blah blah to the shops. Look, I've bought loads of things. Voilà, donc il faut aller vraiment jusqu'au bout de la phrase. Alors toi, Magali, tu proposes been. Ok, j'attends, vous n'êtes pas 3000 aujourd'hui, enfin d'habitude non plus. Mais bon, vous pouvez chacun me marquer ce que vous avez marqué. Chacun m'écrire ce que vous avez marqué sur votre feuille. Donc been. Qui est-ce qui nous manque? Alors,
Maxence et Inès, qu'avez-vous écrit? Alors, avez-vous écrit been ou gone? Tout en sachant qu'il faut bien lire jusqu'au bout. Bon, comme vous mettez un petit peu de temps à répondre. Alors oui, ok. Ok, good. Yes, effectivement, c'est been. Et alors pourquoi? Vous avez une chance sur deux. Si vous l'avez au hasard, bon, le hasard peut parfois bien faire les choses. Pourquoi been et pourquoi pas l'autre? Et c'est là, on va voir si vous avez de la mémoire. Alors pourquoi been et pas l'autre? Après, vous avez pu mettre au hasard, hein, voilà. Hein. Donc, hello, I've just been to the shops. Look, I've bought loads of things. Pourquoi, pourquoi? Alors, tout simplement, voilà, exactement. Parce que si la personne dit, regarde, j'ai acheté plein de choses, look, I bought loads of things. Regarde, j'ai acheté plein de trucs, plein d'affaires. Ça veut dire que la personne est revenue. Et quand la personne est revenue, effectivement, Magali, tu as raison, c'est been. Number two. Jim isn't here at the moment. Is blah blah to the shops. Alors, mon fameux blabla. Jim isn't here at the moment. He is blah blah to the shops. He is, yes, you're right, Magali, he is gone. Donc, je vais mettre quand même un peu les réponses, moi. Alors, so number one, been. Gone. Alors, c'est pas qu'elle y va, c'est qu'elle y est encore. Enfin, c'est qu'il y est encore. Alors, non, Mathéo, ta justification est fausse. Alors, tu as peut-être mis la bonne réponse, he's gone to the shops, mais par contre, ce n'est pas parce qu'il y a his qu'on met gone. Ah, eh bien, je ne sais pas non plus, Inès, je ne sais pas. Ok. Donc, la justification à ce gone, c'est parce que quand tu lis la phrase, on te dit, Jim n'est pas là en ce moment, il, blabla, dans les magasins. Ça veut dire qu'il est parti, mais on te dit qu'il n'est pas là. Donc, s'il n'est pas là, ce n'est pas been. Been, c'est quand on est revenu. Gone, c'est quand on y est encore. Donc, il faut faire attention au justificatif. Donc, he's gone to the shops. Et number three. Number en train de répondre à Inès qui dit qu'elle ne peut pas m'entendre du tout. Donc, je lui demande si son micro est allumé. Elle a peut-être une touche spéciale, un petit machin, un petit switch pour le micro. Alors, la dernière. Are you going to the bank? No, I've already blabla to the bank. Alors, pourquoi gone? J'ai pas dit que c'était la bonne réponse, hein. Il faut justifier. Il faut justifier. Ah, ça bug aussi. Ah, bah décidément. Bah, essayez de suivre comme vous pouvez les enfants, hein. Sinon vous regarderez en replay, mais le replay, c'est pas vraiment pareil, vous pouvez pas participer du coup.
Oh, you can hear your music, but not me. Do you want me to sing? Maybe if I was singing, you would hear me better. Ça ne vaut rien d'avoir des migraines pendant la nuit, moi. Ah ben voilà, peut-être que ton ordi, ben, il ne veut que de la musique et il ne veut pas de prof d'anglais à 9h30 du matin dans son salon. Alors, Magali Poulette, puisque tu es la seule pour qui apparemment ça connecte bien et que tu m'entends bien, etc. Ah ben non, il y a Maxence aussi. Oula, 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 j'avais oublié Maxence. Pourquoi gone? Moi, je veux bien, mais il faut que tu m'expliques. Pourquoi gone? Alors, je vais vous donner une petite... Alors, je réponds à Inès. Ok, girl. Ok, bon, bah, elle, ça ne marche pas, elle ne m'entend pas. Donc, c'est vrai que ce n'est pas rigolo si elle ne m'entend pas. Alors, parce qu'elle va à la banque. Non, 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 non. La question, c'est, are you going to the bank? Est-ce que tu vas à la banque? Et la réponse, no. No, I have already, blah, blah, to the bank. Already, ça veut dire déjà. Donc, non, j'ai déjà, ben, j'y suis déjà allée. Donc, I have already been to the bank. Et petite astuce, avec I, quand le sujet est I, on ne peut jamais avoir de gone, puisque gone, ça veut dire que la personne y est encore. Or, si je parle, je ne peux pas être à un autre endroit en même temps. Si par exemple, tu me demandes, je sais pas, how were your holidays? Comment se sont passées vos vacances? How were your holidays? Je ne pourrais jamais te répondre, I've gone to Italy. Parce que ça voudrait dire que j'y suis encore. Et vu que je te parle et que je te donne la réponse, c'est impossible. D'accord? Donc, il y a déjà un sujet que vous pouvez éliminer de sûr avec gone, c'est le I. Même chose avec le you, puisqu'on parle à la personne. D'accord? On parle à la personne qui est en face, you. Donc, du coup, si elle est en face, c'est qu'elle est revenue. Elle n'est pas partie, elle n'est pas éloignée. Donc, voilà. Donc, du coup, so if you wish to write the date, so today is Thursday, June, the what? Pourquoi je mets une virgule? Thursday, June 11. Objectif, différence entre been et gone. Objectif, différence entre been et gone. Oh, Mathéo, good morning. On vient juste de finir de corriger le 13.5, le dernier exercice de la fiche. Qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Et donc là, je faisais la leçon cette fois, puisque j'en avais beaucoup parlé à l'oral, mais on n'avait rien écrit, et que j'aime bien passer par l'écriture pour expliquer les choses. No worries, don't worry. I was late myself. Tu l'as fait, ok. Eh bien, regarde si tu as bien, si tu l'as sous les yeux. Et si tu as been, gone et been, et que tu ne l'as pas fait au hasard, ça veut dire que tu as compris. Donc, différence entre been et gone. Alors, avec been, la personne est venue. Avec gone, la personne est encore n'est pas encore revenue.
Exemple. Exemple. On peut dire à quelqu'un. You been to the Est-ce que j'ai pas fait de faute en écrivant? You look beautiful, you've been to the hairdressers. Wow, t'es super belle, you've been to the hairdressers. T'es allée chez le coiffeur. You've been. Donc, si on dit you've been, les gens lui parlent donc you. Et ensuite, et si on lui parle, ça veut dire que la personne est revenue de chez le coiffeur. D'accord? Donc, you look beautiful, you've been to the hairdressers. Ou alors, autre exemple. I've been to Italy twice. Je suis allée en Italie deux fois. I have been to Italy. Si je le dis, c'est que je suis revenue. I've been to Italy twice. Un autre. She's been shopping. Look what she's bought. Elle a été faire du shopping. Regarde ce qu'elle a acheté. Donc, si on peut regarder ce qu'elle a acheté, c'est qu'elle est revenue du shopping. Donc, been. Alors, j'ai fait exprès de mettre un she has been pour vous montrer que been est gone. Que been, on peut le mettre à toutes les personnes et gone, alors que gone, non. Donc, you've been to the hairdressers, I've been to Italy twice, she's been shopping, look what she's bought. Maintenant, avec gone, where is Bob? Réponse. He's gone to the market. Where is Bob? He's gone to the market. On pose la question, on veut savoir où est Bob, ben, il n'est pas là. Réponse. Il est allé au marché. He's gone to the market. Donc, je vous ai dit, on ne peut pas utiliser gone. Ben, on va l'écrire d'ailleurs. On ne peut pas utiliser gone avec le pronom sujet I et you. Alors, pronom, il faudra bien que je l'écrive quand même, ceci en sacrin. Hop, voilà, on ne peut pas utiliser gone avec le pronom sujet I et you. Si on dit you, ça veut dire qu'on parle à la personne, donc la personne ne peut pas être partie puisqu'on lui parle. Même chose si on dit I, on ne peut pas être quelque part et parler en même temps. On ne peut pas être à deux endroits à la fois. Donc, est-ce que vous avez compris la différence, les deux? Mais les deux veulent dire on est allé. Voilà, je suis allée. Donc, lui est allé chez le coiffeur, je suis allée en Italie, elle est allée faire du shopping, il est allé au marché. Voilà. D'ailleurs, en français, c'est un langage plus soutenu de dire je suis allé plutôt que j'ai été. Je suis allé à Paris, c'est vraiment le verbe aller. J'ai été, c'est le verbe être. Donc, il faudrait demander confirmation, mais je crois que c'est ça. Il y a une histoire entre, je crois que c'est ça la différence entre les deux. J'ai été à Paris, je suis allé à Paris. Il y en a un qui a un langage plus soutenu que l'autre. Voilà, hop, donc ça, c'est parfait. Alors, il y avait le dernier de la fiche que nous n'avions pas corrigé hier et qui était le 13-3. Et qui était le 13-3.
Et le 13-3, il fallait utiliser just. Alors, on va faire un petit rappel de l'utilisation des adverbes. Alors, rappel de l'utilisation des adverbes. Alors, vous avez un premier, je les fais comme ça, hein, comme ils viennent. Un premier adverbe qui est already. Alors, already, on l'a vu, il veut dire déjà, mais dans les phrases affirmatives, dans les phrases, pas dans les phrases, dans les phrases affirmatives. Donc, exemple, exemple, I have already eaten snail. I have already eaten snail. J'ai déjà mangé des escargots. D'accord? Il veut dire déjà dans les phrases affirmatives. Il y en a un autre qu'on avait vu, c'est ever. Ever, il veut dire déjà aussi. Alors, du coup, on va le trouver où, ce ever? Donc, already, ça veut dire déjà, dans les phrases affirmatives. Donc, je vous ai mis un exemple. I have already been to Italy. I have already eaten snails. Maintenant, le deuxième, ever, il veut dire aussi déjà. Et comment on va faire la différence avec l'autre, du coup? Est-ce que vous pouvez trouver une raison pour laquelle, où est-ce qu'on pourrait mettre ce déjà, ce ever? Alors, on sait qu'on ne va pas le mettre dans les phrases affirmatives. Non, bah, tu avais une chance sur deux, Mathéo. Je suis, moi, c'est ever. Attention, hein, c'est ever. C'est donc, si ce n'est pas les négatives, donc déjà, mais dans les phrases, du coup, voilà, interrogatives. Déjà, mais dans les phrases interrogatives. Seulement, pas les phrases négatives. D'accord? Et maintenant, celui que tu penses, celui auquel tu pensais certainement, never, qui veut dire jamais, mais dans les phrases négatives. Alors, j'ai oublié de vous donner un exemple avec ever. Ever, ça serait par exemple, have you ever visited London? Have you ever visited London? Voilà, ça serait ça pour ever. Est-ce que tu es déjà, est-ce que tu as déjà visité Londres? Eh bien, la réponse, no, I have never visited London. Non, je n'ai jamais visité Londres. Donc, already, ça veut dire déjà dans les phrases affirmatives. Ever, c'est déjà dans les phrases interrogatives que dans les questions. Never, c'est dans les phrases négatives pour dire jamais. Et il nous manque celui-là, là, just. Just. Qui veut dire on vient venir de, on vient de. Donc c'est dans les phrases affirmatives aussi. Exemple. Exemple, exemple. Exemple. She has just missed the train. She's just missed the train. Elle vient de rater le train. She's just missed the train. Elle vient de rater le train. Autre exemple.
We have just got up. We've just got up. On vient de se lever. We've just got up. Donc, c'est quand on vient juste de faire quelque chose. Alors, ça concernait donc cet exercice 3, qui n'était pas simple, qui n'était pas simple, qui n'était pas compliqué à comprendre. Donc, this time you have to use just. Answer the questions using the words given. Example, would you like something to eat? Alors, no thank you, slash I, slash just, slash have, slash dinner. No thank you, I've just had dinner. I have just had dinner. Have you seen, so number one. Number one. Have you seen John anywhere? Have you seen John anywhere? T'as vu John quelque part? Donc la réponse est yes. Et que va mes que? What have you written? Ce sera plus simple. Alors, yes. Donc, on vous donnait le sujet, on vous donnait le just, on vous donnait le verbe, le pronom complément qui va bien, et il fallait me faire donc cette phrase au present perfect, bien sûr. Alors, qu'avez-vous écrit? On est au 13-3 du. On est au petit 1 du 13-3. On est au 13-3, Mathéo. Là, tu me parles du 13-5. Le 13-5, le 13.5, on l'a corrigé. Bah, tu n'étais pas là. Donc, je t'en ai parlé quand tu venais juste d'arriver. On venait de finir. Donc, tu m'as dit que c'était que c'était juste ton exercice. Là, maintenant, on fait celui que vous deviez faire pour aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, hier, Magali, elle s'était trompée. Elle avait fait celui-là pour aujourd'hui. Elle s'était trompée, elle avait fait le 13-3 au lieu du 13-4 hier. Donc, alors, have you seen John anywhere? Alors, yes. Donc, on est au 13-3, numéro 1. Yes. Allez, je vous aide un peu. I, yes, I. Ensuite, alors très bien, yes, I have just. Parfait, Mathéo. Mais derrière, I have just quoi? Donc le verbe c'est see. Yes, I have just see. Alors est-ce que see est un verbe régulier ou irrégulier? Dinner? T'es un petit peu, t'es un petit, tu te mélanges les pinceaux là, mon grand. Yes, I have just seen him. Yes, I have just seen him. Donc, have you seen John anywhere? Yes, I have just seen him. T'as vu John quelque part? Oui, je viens de le voir. I have just seen him. Number two. Number two. Has Anne phoned yet? Est-ce qu'elle a téléphoné? Anne? Le yet, on le verra après. Pour l'instant, vous en préoccupez pas. Has Anne phoned yet? Donc, yes. She. Alors, yes, she quoi? Donc, on a yes slash she slash just slash phone. Donc, yes, she. Yes, she. Alors, que m'avez-vous écrit pour celle-là? Que m'avez-vous écrit pour celle-là? Non, c'est moi qui donne la réponse. Allez, parce que vous avez peut-être des problèmes de connexion. Yes, she has just phoned. Yes, very good. Hooray! Yes, she has just phoned. Very good, Matteo.
J'espère que tu te rappelles la construction parce que hier, hein, c'est un peu léger, hein. Alors, attention, Magali, she has, faut pas oublier le she has, hein. La fin de ta phrase est juste, mais là, on n'est pas au prétérit, hein. Il faut l'auxiliaire devant. Yes, she has just phoned. And number three, would you like a cigarette? No thanks. I slash just slash put slash one out. Put out a cigarette, ça veut dire éteindre une cigarette, écraser une cigarette. Donc, est-ce que tu veux une cigarette? Would you like a cigarette? Oh ben tout ça, cet exemple me fait dire que ces exercices ne doivent pas dater d'hier parce que ça serait impensable de trouver un exemple avec ce mot avec cigarette dedans maintenant. Donc, would you like a cigarette? Est-ce que tu aimerais une cigarette? Alors, que m'a dit Magali? No thanks, alors, attention à ta construction, Magali. Tu m'as mis deux fois have. I've just have. Donc, attention à la construction. Et Mathéo, yes, I have. Bah, d'abord, ce n'est pas yes, c'est no. Donc, no, I have just put a cigarette. Allez, presque. C'est pas vraiment le. Alors, ta construction est correcte. Have just put. Je parle à Mathéo. Ta construction est correcte. Have just put. C'est après le verbe put que ça coince. Là, déjà la construction. Et alors, Magali, donc effectivement, j'ai dit qu'il fallait dire ne pas oublier have, mais il faut pas trop, faut le mettre qu'une fois quoi, dans la phrase. Donc, ça nous fait. Donc, no thanks. No thanks. Have just. Ou I've, ou on contracte. Hein. No thanks. I have just put one out. No thanks, pas non. No thanks. I've just put one out. Pas haven't. Là, on te demande pas de faire une forme négative, hein. La réponse est no thanks. Non merci. Je viens d'en écraser une. Je viens d'en écraser une. Voilà. Donc ça, c'était juste les deux petits exercices que vous deviez faire pour aujourd'hui. Alors, pour la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, ça vous aura pas fait beaucoup d'anglais parce que je suis arrivée à 9h15. Mais là, à 10h, j'ai les petits. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, pour vous, les moyens, les grands, c'est les troisièmes. Vous êtes les moyens. Donc, du coup, il va falloir il faut que je vous donne les devoirs maintenant, quoi. Alors, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est le mercredi 17. Alors, pour le mercredi 17. Pour le mercredi 17. Alors. Dans votre livre, alors attendez que je regarde, ça c'était fait. Ah, voilà. Alors, tac, tac et tac. Allez, 3 et 4, s'il vous plaît. Donc, faire le 3 et le 4 de la page 65. Alors, le 3. Tu as fait un sondage dans ta classe, récapitule ce que les élèves n'ont jamais fait. Et vous devez faire une phrase pour vous à la fin, qui parle de vous à la fin. Donc, on vous donne les sujets, on vous donne les verbes. Donc, du coup, bah, vous faites, voilà. Donc, par exemple, vous avez Fred faire du surf. Donc, Fred n'a jamais fait de surf. Il faut le dire en anglais. D'accord? Ça, c'est l'exercice 3. Le 3, le 4, pardon. Tu rencontres un Australien, tu veux savoir s'il a vécu des expériences typiques, écris quatre questions et imagine ses réponses. Donc, il faut poser comme question, est-ce que tu as déjà,
Est-ce que tu as déjà blablabla blablabla? Donc, par exemple, la première, c'est see slash a shark, donc voir un requin. Donc, question, est-ce que tu as déjà vu un requin? Voilà. Donc, alors, faire le 3 et le 4, page 65, lire ce qu'il y a en face. Pour remettre un peu, si vous n'avez pas votre cahier sous les yeux ou quoi que ce soit, lire ce qu'il y a en face, les petits carrés explicatifs. Voilà. Et puis ensuite, je vais. Eh ben ça, on fera ça de. Alors, pas aujourd'hui, mais je vous mettrai une compréhension orale. Je vous la mettrai demain. Parce que je ne l'ai pas sur mon ordi, là, elle est sur l'ordi du collège et demain je vais au collège. Donc, compréhension orale avec une fiche de questions. Facile. Voilà. Compréhension orale avec une fiche de questions. Voilà, tout bêtement. OK. Thank you for coming this morning. I'm sorry for my being late. As I told you, I've had a very bad night with a big, big, big headache. And this morning, I heard the alarm clock, but I just couldn't get up. So thank you for coming. I see you next week, next Wednesday, 10 o'clock. And in the meantime, don't forget to wash your hands, sneeze or cough in your elbow, keep your social distance. Wear a mask if you go in shops and be good, do your homework and take care. Bye-bye. Have a good day. Thank you. Have a good day too. Bye-bye, guys. Bye-bye.